Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, très bien. Tranquillos? Très bien. La dernière fois qu'on s'est vu, ça va? Ouais, très bien. Très très bien. Il y a quoi déjà? Comment le temps il passe? 6 mois? Ah, j'avais un 6-7 mois, je crois. C'était ton cours d'éloquence, là, enfin de... Voilà le... Comment dire? Voilà, c'était... On ne rappelle pas le titre, mais on voit très bien. Voilà, exactement. L'homme fort. Ce film-là. Oui. Rappelons aussi que... Tu es à l'origine de ton concept là, Bonjour Tristesse. Ouais. Il y a des gars, moi, ils kiffent ça. C'est vrai. Ils sont là, ils font tourner toujours les vidéos. Ils disent, il est trop chaud le film. Des petits et des vieux, il y a tout le monde. Tout le monde. Que des gens avec un bon cœur, non? Laisse-moi dire. C'est vrai qu'il y a des qui se mandent ou pas? C'est des mecs de ma génération qui ont 40 ans. Ils regardent tes vidéos, mais ils les font tourner direct. Parce que je leur rappelle le vrai rap. C'est ça. C'est hip-hop. Polo, vous avez fait un grand film. Moi, je te le dis. Moi, j'ai rien fait. C'est les petits. Franchement, faut féliciter. Je regarde toi. C'est mieux. Regarde-moi, vous. Franchement, faut féliciter les petits. Les petits, c'est le noyau du film de ouf. Ils ont fait le travail de malade. Bon, bref, c'est un film qui tient sur les petits. Et ils ont eu l'intelligence de pas aller faire des castings bidons avec des pseudo comédiens parisiens de merde. Ils ont été chercher des vrais gens dans la vraie vie, avec des gueules, avec des personnalités. Ils sont inspirés des personnalités pour faire les personnages. Ils ont fait les choses intelligemment. Et les petits, ils ont fait le taf de ouf. Et ça ressemble à la réalité, voilà, ce que c'est pas faire le cinéma français. Ouais, mais regarde, ton rôle dans le film, il est important. Parce que des éducateurs de ton profil dans le film, tu sais, moi-même, je travaille dans ce milieu-là. Ça existe. C'est-à-dire que toi, le rôle même que t'as joué, clairement, moi, je trouve même que c'est un rôle qui est... C'est un grand rôle, parce que c'est un rôle qui t'a mis en... Entre guillemets, qui t'a mis en... Enfin, en difficulté, quoi, entre guillemets, tu vois. Je suis en contre-emploi de ouf, c'est ça. C'est-à-dire que t'as vu, t'es là, tu défends des vidéos façon, et derrière, t'as joué un film où t'as pris position pour un éducateur qui est en difficulté. Et tu l'as très bien joué en plus, parce que t'aurais pu jouer un... C'est vrai, à la base, l'éducateur était encore plus victime. C'est moi, j'ai rajouté quelques vannes quand même, je vais pas être que leur pute. Parce qu'à la base, c'était qu'une victime. Bon, mais ouais, sinon, c'est un contre-emploi. Mais après, pour moi, c'est parce que pour moi, l'éducateur, il pouvait pas être qu'une victime. Parce que comme je le voyais lui, de toute façon, j'aurais du mal à jouer autre chose. Mais comme je le voyais lui, pour moi, c'était les éducateurs, genre, tu vois, qui sont des bons éducateurs, mais qui veulent que respecter les règles. Et en vrai, moi, j'ai pas été éducateur, mais par exemple, j'ai été surveillant dans des collèges normaux devant lui. Mais les collèges normaux devant lui, c'est déjà un peu ce bug. Je savais qu'il y en avait pas beaucoup, mais il y avait 2-3 petits, c'était pas les règles. Il fallait les voir, les prendre à part, les dire, écoute-moi bien, je vais garder ma vieille, toi. Et voilà, et pour moi, l'éducateur, c'est juste un mec qui se conforme aux règles. Et en vrai, dans les endroits où c'est vraiment dur, en tant qu'éducateur, tu te conformes aux règles, tu te fais victimiser, c'est comme ça. Donc voilà, c'est vu comme ça. Après, les petits, pareil, ils aident parce qu'ils sont réels, les petits, ils incarnent. Mais de toute façon, tout le rôle des éducateurs, en vrai, ils sont au service des petits, je trouve. Tu vois, parce que c'est vraiment un film qu'on voit à travers les yeux des enfants, et je trouve ça aussi, c'est réussi de malade. Et c'est la première fois qu'on traite de ce thème-là, je crois. Enfin, en tout cas, moi, c'est le premier film que je vois qu'on traite sur le thème des centres éducatifs fermés. Ouais, sur la cinématographie, ça peut faire penser au. Mais c'était des prisons pour mineurs, et c'est pas du tout pareil. C'est vrai que sur les centres éducatifs fermés, je crois que c'est. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas connu d'autres. En tout cas, t'as vu, pour finir, moi, je tiens à dire que vous avez tous été justes. T'as vu, moi, je cherchais là. Je me suis dit, où va venir la fausse note? Mais dès les premiers instants, j'ai trouvé que vous étiez justes. Et le petit Darren, vas-y, jetez-lui un César vite, hein, je vous le dis, celui-là. Ouais, croyez-moi bien, les acteurs j'en aime pas beaucoup, je suis là. Il y en a 2-3 dans ce film-là. J'espère, je leur souhaite qu'ils aient un avenir parce qu'ils méritent de ouf. Tu t'amènes, t'as vu mon pote Mohamed, tu veux témoigner de la véracité du. L'homme fort. La véracité du film. Dis-nous. Franchement, trop réaliste, je suis éducateur. Voilà. À 100%, 200%. C'est exactement ça. Non, le film lourd. C'est ça. À voir, loupez pas la sortie demain. Aïe, aïe, aïe. Prenez vos places. Est-ce que le film satisfait ou remboursé? T'as scotché comme moi, quoi. Non, j'étais à fond, du début à la fin. Lourd. Et t'auras appelé tes petits putes. Quand tu s'est présenté, notre des petites putes. En fait, je suis pas une victime, non. Faut pas se fier à son apparence, attention. Là, du tout, nous, on le connaît, on sait. Il a pris des biscottos. C'est ça, il est costaud, le type. Il est costaud, on sait.